C'est la superstar égyptienne concernant la musique. Il s'agit de Ramzy Dieb. Qui n'aime pas Ramzy Dieb? Qui n'attend pas avec impatience les albums de Ramzy Dieb? Autrefois, on avait l'habitude chaque été voilà, d'attendre le nouvel album de Ramzy Dieb. Aujourd'hui, avec l'évolution et la situation actuelle, ce n'est plus l'été, mais à chaque fois, chaque année, tous les 2 ans. Avant, c'était tous les ans. Aujourd'hui, c'est tous les 2 ans. Ramzy Dieb sort un nouvel album. Cette fois-ci, Ramzy Dieb va aller du côté de la télévision. Alors, ce n'est pas la première fois, puisqu'il a collaboré déjà à la télévision pour deux feuilletons dans les années 80. Dans le cinéma également, notamment dans Ice Cream Feglim, dans d'autres films aussi, aux côtés de Yousra. Cette fois-ci, on va retrouver Ramzy Dieb dans un feuilleton qui va être écrit par Medhat El Adl et qui s'appelle El Shohra. El Shohra, le succès, la gloire, la célébrité. Ça veut dire exactement la célébrité. C'est un feuilleton un petit peu autobiographique car on va découvrir la vie d'un jeune garçon, un garçon qui ne vit pas au Caire, qui vit dans une autre ville du Caire, peut-être à Port Saïd, puisqu'il est d'origine de Port Saïd, et qui va commencer à chanter et qui va connaître la célébrité. Donc voilà, c'est Ramzy Dieb qui a décidé, qui a donné son accord pour commencer ce feuilleton autobiographique qui sera présenté pendant le mois du Ramadan 2014. Si vous aimez Ramzy Dieb, si vous aimez écouter Ramzy Dieb, sachez que vous allez bientôt le voir chez vous pendant le mois du Ramadan. ماليني ده الإحساس وأنا هنا جنبي أغلى الناس أنا جنبي أحلى الناس وماله لو ليلة دون بعيد وسيبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس بحبك ماليني ده الإحساس وأنا هنا جنبي أغلى الناس أصدق اللي أنا فيه يا ما كان نفسي أقابلك بقالي زمان خلاص وهحلم ليه أنا هنا جنبي أغلى الناس أنا جنبي أحلى الناس حبيبي المس إيدي عشان أصدق اللي أنا فيه يا ما كان حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى
le grand réalisateur Daoud Abdel-Sayed va peut-être de nouveau travailler avec un acteur égyptien qui monte, qui est peut-être, et qui va laisser sûrement cet acteur pas mal de traces dans le monde du 7e art égyptien. Il s'agit de Esser Yassine. Ils avaient déjà collaboré ensemble dans un film magnifique qui s'appelle Rasail el-Bahr, les messages de la mer. D'ailleurs, Esser Yassine a reçu un prix au festival de Carthage pour ce film. Cette fois-ci, ils sont en train de travailler sur un autre film qui s'appelle Qudrat Ghir Adiya, pouvoir surnaturel. De quoi va parler ce film? On n'en sait pas encore assez. Mais en tout cas, dès que l'on saura, ici toute l'équipe de Scoop va vous tenir au courant de cette future collaboration entre Esser Yassine et Daoud Abdel-Sayed. Des voleurs sympathiques, un film comique égyptien produit en 1968, joué par Ahmad Mazhar, Adel Imam, Mary Mounib, Youssef Fakhreddine et Madiha Salem. Le film est réalisé par Ibrahim Lotfi. Le film raconte l'histoire de deux voleurs, Hamed et Ismail, qui veulent voler un bijoutier. Leur mission est difficile car pour entrer au magasin de bijoux, ils doivent passer par l'appartement des époux Aziz et Asim qui mènent une vie conjugale instable. Il y a aussi leur voisine, la vieille Chouchou, qui rend difficile la mission des voleurs car elle fout son nez dans tout ce qui se passe chez les voisins et elle aide la police à la fin à arrêter les voleurs. Le film est écrit et réalisé par Ibrahim Farouk. Il est sorti en 1968 et projeté en 100 minutes. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Scoop. Merci à tous de votre fidélité. Alors rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, car attention, il y a encore beaucoup, beaucoup de films en cours de préparation et de scénarios et de feuilletons également pour 2014. Alors d'ici là, passez une excellente semaine à tous et à toutes et à la semaine prochaine.